7 heures. Non, après, il faut retrouver la porte de niveau. Ça, vas-y, rentre. Bon, et nous voici rapprochés de Notre-Dame. Dédicace au lycée Jean Jaurès. Voilà, là-bas où on mange du bon camembert, tout ça. Mais non, du roquefort, patate. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Du roquefort, pardon, mais désolé. Bon. Le fromage roquefort aussi, c'est. T'aimes pas. Ça pue. Ouais, ça pue. Merci, salut. Et nous voici en direction de Beaumur. On suit les garçons. Comme ça, et un petit Dali, qu'est-ce que tu dis? Voilà, il essaie de négocier des notes pour l'année prochaine. Ouais. Eh ouais, il faut. Je te jure. Et voilà, nous sommes à Beaubourg. Et voici les œuvres de Niki de Saint-Phal et de Tingeli. Bon, les garçons, on va où alors? Tour Eiffel. Tour Eiffel? Ouais. Voilà, on fait le tour de Paris pour aller voir la Tour Eiffel. C'est parti? Alors, c'est par où le métro? Là, en face à droite. En face à droite, absolument. Bah, merde.
C'est-à-dire ce qu'on avait dit précédemment. Et c'est parti, direction Charles de Gaulle, Étoile, place de l'Étoile. Voici dans le métro. Et nous voici à Tour Eiffel, Lucas est content. Adieu Tour Eiffel. Wouhou! Chose d'avoir du poil. Non, à la limite, c'est mieux. Pour ma vidéo. Et là, nous faisons la queue pour accéder à la Tour Eiffel. Et nous voici à Paris avec la Tour Eiffel et un bon granita. Tour Eiffel, où es-tu? Ah, tu n'es pas là. Et un petit granita au pied de la Tour Eiffel. Voilà bientôt une heure que nous faisons la queue pour accéder à l'escalier de la Tour Eiffel. Et nous voici au premier étage de la Tour Eiffel. Et l'Arc de Triomphe en tout petit, on voit légèrement sur la gauche. En haut à gauche. D'ailleurs, il y a des boutiques, oui. C'est parti pour l'ascension. Recherche de l'auberge et on repasse devant Notre-Dame. Alors Andrew devait nous ramener à la maison mais on est perdu. Ouais, alors, il s'énerve, il sait plus où il est, il est déstabilisé. Non ? Allez, allez, on le suit ! Taquet, c'est parti. Ouais, c'est pour mettre les pâtes dedans. Et son jumeau de pizza. Le meilleur moment de la journée. Non, presque. Ouais. Celui qui a mangé n'importe quoi à la fin. Une pizza. Ça va, c'est simple. Antique. De la place Monge, la cathédrale Notre-Dame. Et voici le Panthéon. Et encore une œuvre de C215 pour le Panthéon. Et le Sénat. La bibliothèque Sainte-Geneviève. Et le Panthéon, ici, Saint-Étienne-du-Mont, au fond. Catherine nous invite gentiment à aller au projet. Merci Catherine. Et nous voici.
voici arrivés au Bourget. Ça y est, c'est parti. La fusée. Ça voilà. Normandie même. Et nous voici au musée de l'air et de l'espace. Enfin, on a un petit peu galéré, mais bon, c'est comme ça. On est enfin arrivé grâce à Catherine. L'espace des souvenirs. Et là, nous allons visiter le Boeing 747. Et juste derrière, la fusée. Madame, mangez ça. Plus connecté qu'un appareil. À la fin de votre vol. Et voilà, sur tout ce scénario. Donc, vous êtes pilote vous-même ? J'ai été. Ah, j'étais. Le 747. Mais par contre, je suis bossé à la maison. Se trouver le commandant. Sur le Concorde aussi. Ouais. Non, là, ici, il y avait des... Ouais, c'est capacité cargo. Dirigeons vers les avions de la Première Guerre mondiale. Voilà, je ferme là. L'avion, c'est une innovation technologique. Et voici le Spitfire. Appareil de reconnaissance. Et d'un seul coup, vous êtes pris sous un feu ennemi. Ici, les ailes peuvent se plier pour pouvoir aller sur un porte-avions. Supersonica. Cet avion.
Et voici l'intérieur du Concorde, de très petits couloirs effectivement. En tout cas, il était réputé. Et nous voici dans la salle des Concordes. Sputnik. Je schématise à peine. En fait, l'idée. Et voici le Vostok 1. Capsule de rentrée du vaisseau Soyouz T6. Ici la Soyouz de Jean-Luc Chrétien. Où sont les hélicoptères? Son moteur est un turboréacteur Snecmar ATAR 9K50 de 7200 kg de poussée. C'est l'industrie française. L'adversaire par tous les temps et à l'otage avec tous les instruments de navigation. Bon, vous récupérez lequel alors? Vous mettez lequel hein? Moi, j'ai mis là-bas. Le même. Vas-y, montre. Pas mal, pas mal. Et toi, Lucas? Il va mettre lui. Ah, pareil. Le même. Oui, il y a un sponsor généreux, peut-être vous rencontrer. Après, il n'y a pas que Rock for Société, il y a d'autres associés. Donc, à mon avis, de mettre à disposition une montgolfière une journée, non, c'est, ouais. C'est occupé en fait. Voilà. Voici la salle des hélicoptères. Ça, c'est tous des copies ou c'est. Il y a des originaux aussi. Alors, on va voir. Donc là, on est sur l'aéroport de Nice. Et donc, j'ai fait un vélo, vous faites plein de souvenirs frères, c'est du tissu avec un enduit de tensage par-dessus, ce qui fait que si vous allez trop vite, eh bien ça se déchire. Donc, vous avez à deux. Dans les montagnes, et le problème des montagnes, en Colombie, les terres plates sont rares. Et les terres plates, il faut les partager, c'est-à-dire que tu leur passes au-dessus de la tête. Rouge, est-ce que vous les voyez les lumières rouges? Voilà. Je crois que c'est parti. Ah si, c'est le chinois.
cool, je fais le prochain. Fais du ramasse-mat. Alors c'est comme ça. Comme ça, ça. Ah. Et nous voici arrivés à l'Aéroclub de France. Bon ben voilà, ben écoutez, merci. Je vous remercie d'abord tous d'avoir participé à ce concours. Déjà, d'avoir fait de très beaux dessins qui ont ravi tous les occupants de cette auguste maison qui est l'Aéroclub. Et maintenant, vous allez, vous reconnaissez vos dessins hein, pour tous ceux. Voilà. Je vais vous demander de lire le thème qui vous était proposé. Donc j'ai comment dire. Il y a un paragraphe pour chaque catégorie. On va commencer par peut-être les plus jeunes ou les plus âgés. Ou peut-être rêves-tu de rejoindre tes amis dans un hélicoptère spécialement conçu qui te permette de voir ton quartier. Une ville entière de l'espace mènera à des rêves d'avions à réaction qui iront plus vite et plus haut que jamais auparavant. Chaque réalisation en vol a commencé avec un rêve. En cours de route, la prochaine génération de passionnés d'aviation a construit ses rêves sur les œuvres de celles qui l'ont précédé. Maintenant, c'est ton tour. Là où ton imagination t'emmène quand tu regardes vers les nuages. Il est temps de ramasser tes fournitures artistiques préférées et de partager ton rêve. Voler. Tu vas nous expliquer, tu montes ton dessin à ton Alors, on peut retirer. Je crois que je t'ai gardé. Oui, mais parce que. Tu l'expliques, Julien? Oui, tu l'expliques. Ce qui m'a intéressé le plus, c'est l'espace. J'ai donc voulu dessiner une sorte de guerre comme si nous étions attaqués. Alors, nous étions des protecteurs. Il y a un groupe d'aliens combattant des sortes d'extraterrestres. Et. Ah, sans doute, ces extraterrestres ont envahi pas mal de territoires. Et nous serions été obligés de nous cacher longtemps en attendant l'arrivée des secours. Sans les aliens, nous serions perdus à jamais. Parce que ce sont les seuls et uniques protecteurs qui puissent lutter face aux extraterrestres. Qui sont ainsi alliés avec des chers robots qui ne cherchent qu'à avoir la guerre. Ainsi, les aliens sont tellement courageux qu'ils arrivent à battre de plus en plus des extraterrestres et à rétablir une véritable paix. Mais les aliens sont tenaces. Les aliens sont extraterrestres. Il y a eu un groupe d'aliens. Oui. Et qui combattaient les extraterrestres. Les aliens ne cherchaient pas de mal. D'accord. Ils ne cherchaient pas à faire du mal à des innocents. Alors ils ont décidé de s'allier avec des humains, des cosmonautes par exemple, pour combattre les extraterrestres. Comme par exemple sur la Lune. Un bon territoire pour une bataille. Ainsi. Et aussi un bon territoire pour des vaisseaux de guerre qui combattent les extraterrestres ennemis dans leurs vaisseaux. C'est donc ça l'histoire que je voulais raconter. Les aliens qui combattent les extraterrestres pour le bien du monde. Bravo. Voilà.
Alors, pas rien en bas, et un avion qui vole au-dessus de Paris, et un petit bonhomme en train de voler Paris. J'ai fait ce dessin parce que on me dit souvent que Paris c'est magique, bah du coup bah j'ai fait Paris en dessous, tout simplement. Et Paris ça te paraît magique? Oh oui. Oui. Quand tu montes au-dessus de la Tour Eiffel. Sinon. Paris, c'est magique, c'est juste la zone que tu as dessinée qui est. Ouais, ouais, ouais. Juste là. Juste là. Parce que c'est un monument. C'est un très beau. Moi, je trouve que ça, c'est très bien. Ce sont des très beaux dessins. Merci. Lucas. Ah. Lucas, à toi. Donc, je vous présente mon dessin. J'ai fait un avion de chasse tout simplement parce que plus tard j'aimerais être militaire. Et pour moi c'est ce qui représentait mieux l'air dans mon futur métier. Et puis là il y avait un vide, donc j'ai dessiné un aigle. Et l'aigle c'est ça représente un peu la nature, le côté naturel du dessin. Donc voilà. Sans compter que ça vole. Donc, voilà. Là aussi. Ça fait rêver. Voilà. Ouais. Non, c'est un très beau dessin. C'est de la loi spéciale. Laura ? Enfin, un tour de table, je ne sais pas. J'y étais pas, Lausanne, donc je ne sais pas savoir. Enfin, ils ont été, voilà, ils ont attiré l'attention des jurys. Voilà, c'est le dessin. Au niveau international. Bravo. Ah, t'as vu ces trucs des sacs et tout? D'ailleurs, la Tour Eiffel, c'est le champ de Mars. Là, vous voyez, il y a plein de. Ouais, d'ailleurs, j'arrivais à le voir à cet endroit. Il n'y a pas de gilets jaunes aujourd'hui, ça va, il y a des trottinettes. Puis, comme il fait beau, là, il y a un beau temps, hein, c'est magnifique. Là, il y a une perspective. Vous avez entendu parler du Fouquet? Oui, bien sûr. Ben, on va passer devant. On va passer devant le Fouquet. Bien. Voilà, voilà. Prendre des photos, hein, si vous voulez faire des photos. Moi, je vais prendre une photo des choses. C'est une excellente idée, ça. Ah, il y a des travaux partout. Le carrousel, l'arc de triomphe du carrousel, que personne connaît normalement, puisque c'est à côté de la pyramide du Louvre. T'as vu le Fouquet? C'est aussi joli par là. Là, il faut toujours venir, les expositions sont magnifiques. Hein. Il y a eu tout en Camon, là, qu'est-ce que c'est comme expo en ce moment? La Lune? Là, il y a des gros thèmes. Il y a le. Aussi, c'est les terres français qui ont été désingués, là, que ce soit le colonel au départ. Tournez à gauche sur Cour la Fête. Voilà. Et monsieur, vous avez fait quoi comme étude pour devenir? Il n'y a personne à la Concorde. Ah, aussi, tu vois, il y a des statues tout autour de la place de la Concorde, là, tu vois. Chaque statue, c'est une ville de France. Parce que ici, c'était la place de Grève, c'est là qu'il y avait. Alors là, la gare d'Orsay, c'était une gare, et maintenant, c'est musée d'art moderne. Enfin, c'est musée. Il y a un tas de choses, ça va vite. Donc, tu vois, c'est, tout est habité. Là, c'est la Seine coule en bas. En bateau mouche, tu verrais pas de la même façon. Hein. Non, tout sera en bas.
Là, c'est national, SNCF, c'était Paris-Orléans. Donc ici, c'était la gare pour aller à Orléans, tu vois. Ah, j'arrête pas de causer. Non, mais c'est ouais. Parfait. Alors là, tu vois, mais quand même, c'est assez chouette, quand même. Là on est au cœur, hein. Alors là on est au cœur de Paris, c'est le premier arrondissement. Hein. Et voici Julien devant sa voiture et son restaurant. Bonjour Julien. Ton restaurant est magnifique, hein, et ta voiture aussi. Hein. Oh merci, c'est très touchant. Allez go, on y va. Notre dernière soirée à Paris, avec un coucher de soleil. Non. Alors moi je vais choisir framboise, mangue, chocolat. Merci. Et voici ma glace à la rose. Ma rose à la glace. Très naturel. Ah oui. Elle est bonne ? Ouais. Ça, c'est la vie parisienne. La belle vie. Super bonne. Bien entendu, tout au fond. Ah, c'est là. Julien dit que c'est là. Vérification. Et il a raison.